Salut, c'est Maui. Alors, nous allons faire une nouvelle vidéo sur la graine du changement. Oui, c'est une vidéo que j'estime assez importante car c'est la méta, c'est la nouvelle méta. Oui. Et on va parler d'engrais et de fumier. Bah oui, excusez-moi, mais c'est comme ça. On va parler de fumier pour changer. Bien, alors, qu'est-ce que c'est que le fumier? Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, ben le fumier, c'est ça. Nous allons amener des fumiers dans les silos d'engrais. Au niveau des champs. Alors, on peut le mettre, comme on le sait, forcément dans le Nouveau Monde. On va pouvoir le mettre dans l'Ancien Monde. Ah là, on peut en mettre ici. On va pouvoir en mettre au cap. Hein. On peut faire ce qu'on veut. On va souvenir le cap. Tac, tac. On clique dessus. Et on verra que c'est totalement disponible. Il suffit de l'ajouter. Oui, il se cumule au tracteur, comme on l'a vu dans la première vidéo. Bien. Et pour couronner le tout, on peut aussi le mettre ici. MBSA. Nous pourrons le mettre. Attention, petite parenthèse, quand vous allez mettre des silos d'engrais à MBSA, vous allez juste rager un petit peu parce qu'il va falloir amener du vrai bois et de la brique venant de l'ancien monde. Et oui, ça n'a pas été rectifié. Donc on a des planches et des briques venant de l'ancien monde. Il va falloir faire venir des bateaux parce qu'on ne pourra pas utiliser le Wanza et la brique de boue. Ça ne marche pas, on ne peut pas les construire. Voilà. Donc, on revient au Nouveau Monde et on va, comme on le sait, ajouter les silos en plus des tracteurs. Pour ce faire, il nous faut de l'engrais. Bien. Alors, pour bien comprendre la chose, on sait que une fabrique d'engrais met 5 minutes avec un fumier pour faire le tour. Donc, toutes les 5 minutes, il va nous en produire un. D'accord? Lui, toutes les 30 secondes, il va nous sortir un alpaga. Bon, moi j'ai pris l'alpaga, mais vous pouvez essayer avec le bœuf. Okay? Et une fois sur trois, il va nous sortir du fumier. 30 secondes, donc toutes les 1 minute 30, il va nous sortir un fumier. Ce qui veut dire qu'il peut en alimenter quelques-uns. Mais vous allez voir qu'on va essayer d'améliorer tout ça. Donc, comment construire une usine à fumier rentable pour alimenter tout le monde? Eh bien, on va faire comme ça. On va les enlever. Donc, nous sommes à 5 minutes. Et là, nous sommes à 30 secondes, à 15 secondes. Alors, pourquoi 15 secondes? Bien, déjà parce que ici, on va réduire le temps par 2 en faisant ça. Au lieu de 30, nous allons passer à 15 secondes, une fois que ce sera alimenté, bien entendu. Voilà, nous passerons à 15 secondes. On le voit ici. Tac, 15 secondes pour faire un tour. Donc, on a déjà réduit le temps par 2, donc il va nous en produire plus. Pour 5 minutes. Mais ça ne suffit pas. On va essayer de réduire encore son temps de façon drastique. Nous allons utiliser notre ami Ferras, qui va encore réduire son temps à 12 secondes. Après ça, nous allons encore réduire son temps avec ceci. Le pack d'engraissement fabuleux. Et là, nous allons quand même déjà avoir quelque chose de beaucoup plus correct. Nous allons arriver à 9 secondes. Quasi 3 fois moins que d'habitude. Donc 9 secondes, il va nous sortir. Donc c'est-à-dire que là, toutes les 30 secondes, il va nous en sortir un. Bien. Alors, ça, c'est fait. Mais celui-ci tourne normalement toujours à 5 minutes. Bien. Donc, si on laisse ça n'influence absolument pas sur lui. 5 minutes. Ferras va déjà réduire de façon drastique le temps. Et nous allons passer à 3 minutes 20. Après, nous allons aussi améliorer tout ça en faisant ceci. Et nous allons passer à 2 minutes 50. Bon, ça, c'est une des techniques. Pourquoi moi j'utilise ces techniques-là? Ben, tout simplement à cause de ça. Regardez, ici, il va nous falloir, grosso modo, si on enlève Ferras, il va nous falloir quand même 30 personnes par usine. Vu le nombre de champs que vous pouvez avoir, imaginez un peu le nombre d'usines que vous allez devoir vous taper. Donc, si on fait ça, et ça, nous allons réduire la main-d'œuvre de 50%, ce qui est déjà plus abordable. Bien, maintenant, on peut encore pousser le vice plus loin, c'est-à-dire utiliser le fameux bouquin de fabrique en grès qui se trouve ici, et on va le mettre. Bam. Et là, les choses vont commencer à devenir beaucoup plus sérieuses, c'est-à-dire que c'est plus que 2 minutes 30, donc on a réduit de 50% son temps de production. Si vous mettez 4 élevage d'alpagas
avec 27 usines de fabrique d'engrais, vous allez tourner non-stop. Voilà. Vous allez tourner vraiment non-stop. Ça, c'est le plus optique. Si jamais vous n'arrivez pas à suivre avec la main-d'œuvre, parce que là, forcément, ça augmente la main-d'œuvre, c'est bien marqué, c'est plus 30% de main-d'œuvre. Si vous n'arrivez pas au début à suivre avec la main-d'œuvre, le temps que votre ville se développe ou que vous trouviez la solution, vous pourrez toujours mettre ceci qui va la réduire drastiquement. On passe à 15. Maintenant, n'oubliez pas que quand vous allez faire ça, vous allez passer à 36. Ce qui augmente quand même. N'oubliez, attention, il ne faut pas non plus mettre ces bâtiments dans une zone où vous voulez monter l'attrait. Pourquoi je parle de l'attrait? Parce que n'oubliez pas qu'on va pouvoir jouer avec l'attrait, avec les haciendas, etc. Donc, ça réduit quand même drastiquement l'attrait. Ne mettez pas ça sur l'île où vous montez l'attrait parce que ça ne marchera jamais. Bien. Donc, l'hacienda, elle ne peut pas vraiment influencer, malheureusement, ici. On va essayer de regarder si on peut influencer quoi que ce soit à cette production. Augmente la capacité de stockage. Les quartiers des obreros de l'hacienda produisent de l'influence. Le port d'échange plus vite. Non, on va rester ici à réduire la consommation du plantain et des tortillas de 30%, parce que de toute façon, on ne pourra pas mettre grand-chose puisqu'on a perdu toute l'influence à cause de ça. Bien, donc si vous regardez bien, 27 usines pour 4 élevages d'alpaga, vous allez tourner non-stop. Bien. Avec ça, vous allez vous retrouver qu'un autre problème, assez rapidement. C'est-à-dire que vous allez créer de l'alpaga en boucle. Continue. Si vous regardez, vous allez créer de l'alpaga en quantité astronomique. Donc, qu'est-ce qui va se produire? Une fois que l'alpaga aura rempli les entrepôts, plus rien ne va tourner. D'accord? Plus rien ne va tourner, ça va être une catastrophe. Donc, bien maintenant, c'est une nouvelle ressource que moi j'utilise pour Dockland. Pourquoi? Je vais la vendre à Dockland, donc je ne remplirai jamais les entrepôts. Voilà, donc moi je suis venu ici, voilà, et je l'utilise pour acheter du fer ou n'importe quoi, de façon à éliminer la ressource. Pour que, en permanence, ce soit vidé et qu'on puisse continuer à produire de l'engrais en boucle. Après, il vous suffira évidemment de créer des routes pour savoir où vous allez mettre de l'engrais. Bien. C'est pas nécessaire de systématiquement mettre de l'engrais partout. Je veux dire, si vous avez des problèmes d'influence, vous pouvez très bien vous amuser à venir, on va essayer de voir, voilà, vous allez venir ici, vous allez construire des champs, remplir les champs, vous pouvez très bien ajouter ici de l'engrais, vous pouvez faire de la place pour mettre de l'engrais, et cumuler les deux, vous allez pouvoir peut-être avoir besoin de moins de corporations pour produire, ou avoir moins de champs parce que vous allez produire plus. Ce sont des jeux que vous allez pouvoir mixer un peu partout. Comme je le dis, vous pouvez le mettre partout. Encore une petite nouveauté que je tiens quand même à signaler, c'est que pour les gens qui ne le savent pas, qui vont avec vos champs, c'est pour ça que j'en parle ici, n'importe quel champ, on va prendre là où il y a de la place. Malheureusement, dans cette partie, ça va être compliqué d'avoir de la place. Donc, on va essayer. Voilà. Pour le bien de la vidéo, nous allons casser la ligne de chemin de fer ici. Si on peut, oui, voilà, hop. Et vous allez vous rendre compte que maintenant, fini le calvaire avec ça, et fini le calvaire avec l'engrais. C'est-à-dire que maintenant, vous allez pouvoir les mettre même derrière, tranquillement, ils vont s'installer. Ils vont se mettre ici, hop, c'est celui-là. Lui, on le prend et on vient le mettre là. Vous allez pouvoir le mettre. Alors après, si vous voulez vous amuser avec le tracteur, eh bien vous allez faire la même chose. Vous allez pouvoir les mettre derrière. Plus besoin d'être collé au bâtiment, vous pourrez les mettre le moment que ça touche ou le champ ou le bâtiment, vous pourrez les mettre tranquillement pour le ravitaillement. Donc ce sera beaucoup plus simple pour construire et ravitailler les choses. Voilà. Bien, je pense qu'on a fait le tour principal de l'engrais. Parce que moi, j'ai essayé plein de formules et c'est franchement celle-là la plus rentable à l'heure actuelle. Je testerai encore pour voir s'il y a des méthodes plus efficaces. Mais ici, on a une variante très optique.
On pourrait toutefois aller s'amuser à ajouter ceci. On voit que ça augmente la fabrique d'engrais. On voit que ça peut donner du salpêtre, de la suite de dynamique, etc., etc. Ça va augmenter la production. On pourrait encore ajouter le troisième. Ici, fabrique d'engrais, 20%. Ça donne de l'éthanol. Mais là, regardez. Vous allez avoir un nombre incalculable de gens. Une population monstrueuse qui va se mettre. Allez, tout ça pour arriver à 2 minutes 58. Donc, le temps sera encore plus long, en fin de compte, à l'arrivée avec ces trois bleus. Donc, moi, dans toutes les variantes que j'ai testées jusqu'à présent, la meilleure combo qui fonctionne, c'est celle-là. Évidemment, à condition que l'élevage soit autour. N'oubliez pas, je le rappelle, que quand vous créez et vous créez, pardon, une fabrique d'engrais, il y a un rayon d'action. Donc, il faut au moins que votre élevage touche le rayon d'action de l'engrais. C'est-à-dire que là, si vous le mettez ici, ça ne touche pas. Donc, il ne créera pas de fumier. Il faut qu'il soit dans le rayon d'action de la fabrique d'engrais. N'oubliez pas, c'est très important. Voilà, voilà. Moi, c'est ce que j'ai testé et c'est ce qui fonctionne le mieux jusqu'à présent. Je vais continuer avec d'autres PNJ encore et encore, mais je voulais vous montrer cette première combinaison pour que vous puissiez avancer et que vous puissiez imaginer toutes les possibilités qui vont arriver après. Ne paniquez pas, vous n'êtes pas obligé de casser tous les tracteurs pour mettre, etc. Faites à votre aise, faites une île à la fois. Faites des tests, amusez-vous, c'est pour ça que ça sert les DLC, c'est de s'amuser. Ne commencez pas à pester parce qu'il faut tout changer. Faites progressivement, vous voyez que on peut faire plein de choses, surtout quand on a montré là maintenant qu'on peut quand même changer pas mal de choses avec ceci aussi, qu'on va pouvoir ravitailler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. Ça fait très plaisir et ça fait avancer la chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et portez-vous bien. Ciao, ciao.